À l'occasion de ce grand événement, je voudrais saluer de manière spéciale le peuple haïtien. Peuple qui n'a jamais cessé de croire dans la justice. Qui n'a jamais cessé de rêver et de vouloir d'une Haïti démocratique avec trois pouvoirs indépendants et autonomes. Peuple à qui le pouvoir judiciaire a des comptes à rendre à chaque reprise des travaux judiciaires, comme le dispose notre législation en article 75 du décret du 22 août 1995, stipulant que les cours et tribunaux de la République siègent de manière régulière du premier lundi d'octobre au dernier vendredi de juillet de l'année suivante, soit une période de 10 mois d'activité intense qui constitue une année judiciaire ou un exercice judiciaire. La cérémonie marquant le début de tout exercice judiciaire est le moment idéal de démystifier les processus judiciaires auprès du public, de fournir des informations sur la façon dont le système fonctionne, présenter un bilan des réalisations de nos cours et tribunaux à travers le pays. L'année judiciaire qui vient de s'écouler n'a pas été des plus paisibles. À l'instar de bon nombre d'institutions du pays, les activités au sein de la magistrature ont été fortement affectées par les soubresauts sociopolitiques à répétition. Les intempéries emportant vie et bien, qui ont secoué ce coin de terre qui nous a vu naître. Néanmoins, nonobstant cet état de fait, avec les maigres ressources allouées au CSPJ, nous pouvons, bien qu'insatisfaits de nos résultats, reconnaître que nous avions fait œuvre qui vaille. En effet, le pouvoir judiciaire s'étendant sur le territoire national est réparti 18 juridictions de première instance, 5 cours d'appel et une cour suprême, la cour de cassation. Nous disons, le pouvoir judiciaire a produit dans cette activité, pour l'exercice écoulé, les résultats suivants. En commençant par les juridictions de première instance par ordre alphabétique, nous avons le TPI d'Ansavo qui a rendu 19 jugements en matière civile et 2 commerciales pour 82 pénales et les cabinets d'instruction ont rendu 32 ordonnances. Pour le TPI d'Aquin, on a 37 jugements en matière civile, 74 jugements pénaux et 33 ordonnances rendues par les juges d'instruction. Au Cap-Haïtien, nous avons 58 décisions pénales, 80 civiles et 30 ordonnances des cabinets d'instruction. Au Coteau, il y a eu 28 jugements civils pour 23 pénaux et 22 ordonnances des cabinets d'instruction. La Croix des Bouquets a rendu 223 décisions civiles pour 18 pénales avec une quantité de 126 ordonnances de juges d'instruction. Honorable magistrat, assis et debout de la République, la fonction de magistrat est une lourde tâche et vous l'avez bien expérimenté durant l'exercice 2016-2017. C'est un engagement sacré
de servir fidèlement nos concitoyens et la République. Il réclame des vertus dont le recueil des obligations déontologiques des magistrats, constituant l'article 20 de la loi organique française, donnant une figure universelle du magistrat, où on trouve les valeurs cardinales du comportement professionnel de tout magistrat, parmi lesquelles nous retrouvons l'indépendance, l'impartialité, l'intégrité, la probité et tant d'autres. Nos magistrats doivent posséder ces qualités durant l'exercice de l'année judiciaire 2017-2018. C'est une obligation. Tous les magistrats de la République doivent les mettre en pratique. Ils doivent remplir leur mandat avec un engagement, un sens de responsabilité irréprochable. Merci à ceux qui en ont fait preuve durant l'année passée. Au nom de nos concitoyens, je vous remercie. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, atteindre ces objectifs susdits suppose que le pouvoir judiciaire dispose de suffisamment de moyens humains qualifiés, de moyens financiers et œuvrant dans un climat de paix. Voilà pourquoi, du haut de ce pupitre, en ma qualité de président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, j'en profite pour lancer un vibrant et solennel appel à l'endroit des plus hauts responsables des deux autres pouvoirs de l'État, afin que finalement nous puissions nous asseoir le plus tôt possible pour éluder dans la concertation le spectre de grève à répétition que subissent tous les secteurs de la vie nationale, pour qu'ensemble, on puisse chanter ensemble, on puisse chanter ce refrain « Vive la République, vive le pouvoir judiciaire ». Le barreau assume dans la société un rôle social. L'une de ses missions consiste à œuvrer pour le triomphe de la justice et la protection des justiciables. Depuis quelques années, le barreau ne cesse de s'interroger sur la signification de nos rentrées judiciaires. Comme le veut l'usage, c'est le moment de faire le bilan de l'année judiciaire écoulée, d'en tirer les leçons et d'annoncer les chantiers qui seront abordés pour l'année qui s'en vient. Plus d'un ont le sentiment que ce moment donne lieu à des discours récurrents, des engagements non suivis des faits et des promesses formulées à haute voix pour ensuite les ignorer. C'est un constat que la majorité des citoyens n'ont pas confiance en la justice. Avec beaucoup d'ironie et de désappointement, très souvent, des magistrats chargés de rendre la justice n'ont pas non plus confiance en la justice. Le système judiciaire, pour être utile au pays, aurait dû être reconnu et respecté de la population. La justice est un carrefour vers lequel convergent toutes les forces vives en vue d'une solution à leurs litiges dans un cadre institutionnel. Sans doute, l'une des réponses au caractère violent des revendications de toutes sortes vient de l'incapacité du système judiciaire à solutionner les litiges. Cette année, le barreau de Port-au-Prince voudrait agiter certains questionnements. Pourquoi la justice va-t-elle aussi mal et en dépit des 22 années d'existence de l'école de la magistrature et des 5 ans d'existence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ? Les choses vont de mal en pire. La gouvernance de la justice nous intéresse. Tout récemment, la vice-présidente du CSPJ a adressé une correspondance à l'exécutif concernant l'allocation budgétaire destinée au pouvoir judiciaire. Il y a lieu de se renseigner sur le point de savoir qui représente le CSPJ et ensuite de s'informer sur le plan d'action du CSPJ pour rendre fonctionnel le pouvoir judiciaire. Le constat demeure implacable.
la justice haïtienne fait figure de caricature et ne contribue point au progrès de la société. Elle est rongée par des prestations de services qui laissent à désirer et par la corruption qui n'est un secret pour personne et pour comble d'ironie ne semble déranger personne. Le CSPJ a entrepris de certifier des magistrats depuis 2 ans. Une 50aine de magistrats, pour des raisons de qualification et d'éthique, auraient dû être remerciés. Pourtant, ils continuent à distribuer la justice. Des plaintes contre les juges ne sont pas instruites. Des juges soupçonnés d'être impliqués dans des cas de corruption ont vu leur mandat renouvelé comme une lettre à la poste. De nombreux chèques sont émis à l'ordre de magistrats qui ne sont plus en fonction. Qu'est-ce qui a été fait pour couper court à cela? L'association des magistrats menace d'entrer en grève, mais les juges, pour la plupart, ont toujours été en grève. Combien de fois n'a-t-on pas constaté le retard et l'absence des juges dans les cours et tribunaux? Combien de dossiers moisissent dans les tiroirs des magistrats en attente de décision? De plus, quelle a été la réponse de la justice à la détention préventive prolongée? Conformément à l'article 58 de la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature, les juges et les officiers du ministère public doivent être réévalués tous les 2 ans. Combien de juges l'ont été? Combien de promotions, de renouvellements de mandats qui se sont appuyés sur des critères objectifs? Il faut revaloriser le traitement des juges, cela s'entend. Dans le pays, n'a-t-on pas déjà vu que ceux qui sont les mieux rémunérés sont souvent décriés comme étant les plus corrompus? Le CSPJ a la responsabilité d'œuvrer à l'amélioration des conditions de travail des juges et à l'avenir du personnel judiciaire et aussi de protéger la société contre les magistrats qui trahissent leur serment. Le budget que revendique le CSPJ doit être employé pour réformer la justice. Ce budget doit se baser sur des critères de performance dans l'appareil judiciaire et sur un plan d'action susceptible de rendre la justice efficace dans son fonctionnement. Le barreau de Port-au-Prince reste dans l'attente de savoir quelle action sera entreprise pour moraliser la justice et rendre confiance en elle. Nous entendons souvent des magistrats dire qu'ils sont courageux chaque fois qu'ils rendent une décision objective sur des dossiers qui défraient la chronique. Si tel est le cas, votre mission n'est-elle pas de rendre la justice à qui justice est due, sans considération de fortune, de puissance, comme la symbolise la déesse de la justice, représentée par une femme aux yeux bandés, tenant un glaive à la main? Au point de déconfiture où nous en sommes, une révolution demeure la seule voie à emprunter. Le Costa Rica et la République dominicaine en sont passés par là. Au moment de la réforme dans ces deux pays, plus de 70% de leurs magistrats assis et debout ont été révoqués pour cause d'incompétence et de corruption. Les autorités politiques et judiciaires haïtiennes ont-elles la capacité et la volonté de prendre le taureau par les cornes? Des décisions radicales sont nécessaires si nous désirons réellement une autre société avec une autre justice. Des réformes en profondeur sont plus que nécessaires. Il est un fait que, dans les cours et tribunaux, trop d'argent circule, trop de promiscuité entre les justiciables et les magistrats. Cela favorise la corruption. C'est avec un sentiment de satisfaction profonde, nuancé malheureusement d'une certaine déception, que je prends la parole ce matin en ma qualité de garde des Sceaux de la République à l'occasion de ce double événement marqué par la réouverture officielle de nos cours et tribunaux et aussi le démarrage du nouvel exercice fiscal pour l'année 2017-2018. En dépit de nos divergences exprimées, à tort ou à raison,
à travers des prises de position ayant des incidences majeures sur la vie politique, sociale et économique du pays, nous, représentants des trois pouvoirs, dont l'existence même donne à notre État le statut d'État démocratique, nous voici réunis dans le dessein d'accomplir une mission sacro-sainte confiée par notre Constitution de 1987 amendée. Ce sentiment de satisfaction grandement éprouvé auquel je fais allusion s'explique au prime abord par les efforts consentis par le gouvernement en général, ainsi que le ministère que j'ai l'honneur de diriger en particulier, à travers un programme conçu, bien aiguisé et en cours d'exécution bien entendu, non seulement à mettre en place des mécanismes pouvant renforcer davantage la capacité des différentes institutions étatiques, mais encore à créer ou à rendre possible l'existence de certaines structures afin qu'elles puissent répondre avec célérité et efficacité aux besoins de la population. Qu'il me soit permis d'évoquer avec une franche modestie et sans risque d'être démenti l'application saine et méthodique du plan de travail que nous avons nous-mêmes, mon équipe et moi, élaboré minutieusement à mon département, eu égard aux vœux du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et à ceux du chef du gouvernement, son Excellence Dr Jacques Guy Lafontaine, exprimés dans la lettre de cadrage adressée aux titulaires des différents ministères et qui se focalise sur la concrétisation d'un rêve cher, caressé par d'honnêtes citoyens paisibles, respectueux des principes. Il s'agit de voir Haïti se transformer en un véritable État de droit, État où il ferait bon vivre, État au sein duquel les hors-la-loi n'auraient pas leur place. Permettez maintenant que je sorte de mon tiroir un gros dossier, celui de la détention préventive trop prolongée. On en parlait assez souvent, sans envisager, pour le moins, de vraies ébauches de solutions. Ainsi, pour pallier ce problème, il a été conçu, puis mis en place, une vaste opération baptisée sous le nom de Plan Thémis. Ce plan a permis et permettra encore la tenue régulière d'audiences spéciales, correctionnelles et criminelles en vue de réduire à néant le nombre surélevé de personnes en attente de connaître leur sort. Au cours de ces audiences, le respect des droits dus ou de la prévenue ainsi que de l'accusé est de règle. En termes de résultats que cela a donné, je vous prie humblement de consulter les archives des tribunaux de première instance de Port-au-Prince et vous verrez. L'on est en droit de se demander aujourd'hui, est-ce qu'on ne serait pas parvenu à un très faible pourcentage de personnes en situation de détention préventive trop prolongée, n'était-ce les arrêts de travail consécutifs et même parfois sans interruption observés par le personnel judiciaire, greffier, huissier, commis parquet, juge, dans presque toutes les juridictions du pays. De ce qui précède, il résulte que le plan Thémis reste et demeure un palliatif convaincant au problème de la détention préventive trop prolongée. Parlant encore de ce phénomène, s'il y a une chose qui viennent assombrir le tableau que j'ai le privilège de vous présenter, c'est l'arrêt de travail illimité par des personnes jouant un rôle clé dans le système en quête de leur satisfaction personnelle, ne prenant pas en compte la situation des oubliés de la prison. Cela m'affecte au plus profond de mon être. Voilà la déception dont je vous ai parlé au début de mon allocution. Dans une perspective de recherche de compromis, des discussions furent engagées, tantôt avec les associations des greffiers au ministère,
tantôt avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au Palais national. Suite à ces différents pourparlers, des résolutions sont adoptées. Pour les greffiers, huissiers et commis parquet, il a été décidé d'améliorer leurs conditions de travail en procédant de cette manière. 1. Un ajustement salarial de 5000 goudes sera opéré à partir de ce mois. 2. Ils seront tous couverts par une police d'assurance maladie suivant un accord conclu avec l'OFATMA. 3. Pour le prochain exercice 2018-2019, la carte de débit leur sera octroyée. 4. Des mobiliers et matériels de bureau seront mis à la disposition des greffiers et des commis parquets. Et enfin, 5. Les greffiers entreront dans un programme de formation continue à l'école de la magistrature EMA. Pour les magistrats assis, 1. Une indemnité mensuelle à hauteur du tiers du salaire leur sera accordée. Elle sera effective dès ce mois. 19 véhicules seront distribués à tous les cabinets d'instruction à raison d'un véhicule par juridiction. 405 motocyclettes à distribuer également à tous les tribunaux, à raison de 2 par tribunal de première instance, 2 par tribunal de paix. 4. La remise des commissions présidentielles dans le cadre de renouvellement de mandat pour certains juges ou de promotion pour d'autres sera faite cette semaine. 5. Désormais, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire participera au processus de préparation du budget. 6. La promesse d'honorer une dette de 39 millions de goudes contractée par le CSPJ pour ses besoins est à lui faite. 7. En ce qui concerne le transfert de compétences du personnel judiciaire au CSPJ, cela est en passe de discussion. Et enfin, l'engagement est pris pour faire, à moyen terme, réparer les locaux abritant les tribunaux et l'acquisition de mobilier et matériel de bureau à leur compte. Voilà l'accord trouvé entre les deux pouvoirs de notre État.